Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis tellement heureux aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo après plus de 10 mois d'absence sur cette plateforme. Ce n'est jamais arrivé sur l'historique de cette chaîne. J'ai lancé cette chaîne le 5 février 2012 lorsque j'étais arrivé à l'époque lors d'un premier PVT Australie. Et depuis, j'ai toujours publié des vidéos de façon régulière. Plus de 500 vidéos conseils, vlog voyage, tips backpacker. Mais voilà, depuis 10 mois, je n'ai pas publié de vidéo. Et je m'en excuse, je n'ai pas forcément communiqué à ce sujet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me mettre tout à plat avant de reprendre mon activité à temps plein. Ça me tenait vraiment à cœur, parce que voilà, vous êtes aujourd'hui plus de 4, presque 15 000 sur cette chaîne. C'est voilà, c'est extraordinaire de me dire que je parle potentiellement à 15 000 personnes, donc je dois potentiellement, surtout communiquer par rapport à vous, par rapport à un respect. Alors, vous le savez, l'épidémie, elle a ravagé mon activité. Depuis mars 2020, du jour au lendemain, tu as l'impression de tout perdre. Les frontières ont été fermées. Toi, tu étais sûrement derrière cette caméra en Australie, en Nouvelle-Zélande, en tant que faire du backpacker, en voyage tour du monde, je sais pas. Et tu as sûrement souffert psychologiquement, mentalement, socialement. Ça a été une horreur pour moi, ça a été une horreur pour toi sûrement. Et voilà, on a l'impression de tout perdre. Et ça a été un peu mon cas où financièrement, tout s'est écroulé comme un château de cartes pourtant qui était à la base bien solide. En effet, depuis 2014, mon activité était en train de pleine croissance. Depuis 2014, j'ai toujours développé mon chiffre d'affaires. Je m'étais payé même le luxe de recruter quelqu'un pendant un an et demi, Marina, pour faire tout ce qui est réseaux sociaux. Donc voilà, ça, c'est une activité qui marchait bien. J'avais des clients qui m'achetaient de la visibilité. J'avais des ventes d'assurance, des ventes de billets. Voilà, je vais pas t'expliquer comment je gagne de l'argent, c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais franchement, ça marchait très bien en toute transparence. Mars 2020, l'épidémie ravage mon activité. Pourtant, quelques jours avant, le 5 mars, j'avais fait un séminaire, tout cartonné pour moi. Et voilà, du jour au lendemain, tout s'écroule. Mais je me suis pas dégonflé. J'ai profité de cette absence, enfin, des frontières fermées avec l'Australie, pour écrire un bouquin. Ça, c'est la première chose que je tiens à faire. Je n'ai pas rien fait depuis 10 mois sur mon absence sur la chaîne YouTube. Donc mars 2020 jusqu'à mars 2021, j'ai écrit un e-book qui sortira prochainement sur le travail en Australie. J'ai refait le site, j'ai publié une nouvelle vidéo. Mais voilà, pendant un an, j'ai tenu cette activité malgré les frontières fermées. J'ai fait des choses, alors il y a eu des périodes un petit peu d'absence, forcément, il y a eu l'été 2020, etc. Mais j'étais quand même très présent sur Instagram, si vous me suivez, voilà, j'ai publié beaucoup de contenu. Sur Facebook, on est passé de 40 000 à 120 000, précisément 121 975, donc c'est extraordinaire. Vous avez été plus de 16 millions de personnes à interagir sur la page, c'est fou. Mais voilà, depuis mars 2021, aucune publication sur la chaîne. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'étais absent. Alors, voilà, c'est super important pour moi d'en parler aujourd'hui. Ça, c'est super important d'être franc et de se dévoiler avec la communauté. Alors, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, mais concrètement, j'ai vraiment envie de me dévoiler aujourd'hui. Le 15 mars 2021, une nouvelle aventure a commencé dans ma vie. Une bonne nouvelle, une aventure extraordinaire. Je n'ai pas forcément envie de vous dévoiler qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais sachez que cette nouvelle aventure a changé ma vie. Voilà. Je préfère garder un peu de perso par rapport à tous ces réseaux sociaux. Mais sachez qu'il y a eu un heureux événement dans ma vie. Je vous laisse réfléchir. Et donc, forcément, bon, les mois qui suivent, je me suis consacré à ce nouveau projet. Je préfère être un peu évasif pour garder un peu privé. Mais sache que si tu es proche de moi, tu dois être au courant de ce qui s'est passé. C'est une très bonne nouvelle, rassurez-vous. Ça a changé ma vie. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu l'e-book Australie depuis mars 2020. J'ai créé un e-book qui demande énormément de temps avec My Little France Australie. C'est un travail de titan. Voilà, c'est un guide pratique où tu vas pouvoir avoir tous les meilleurs conseils pour partir travailler en Australie. Et ça, crois-moi, écrire un bouquin, c'est comme écrire 250 articles. C'est un travail de titan. Mais voilà, j'espère qu'il sortira prochainement. C'est prévu. Et forcément, quand tu écris un e-book, bah, tu as le temps de moins faire de vidéos. Voilà. La troisième explication, c'est que les frontières étant fermées depuis quasiment un an avant de publier la dernière vidéo, je trouvais pas d'intérêt de publier de nouveaux contenus, sachant que les backpackers ne pouvaient pas partir. Sachant qu'il y avait déjà plus de 500 vidéos, il y avait de quoi, comme on dit, à manger et se nourrir pour de mes vidéos, pour vous préparer. Donc ça servait à rien de publier. Pourtant, même si j'avais plein de vidéos en stock, j'avais pas vraiment d'intérêt à publier une nouvelle vidéo, sachant qu'en plus, il y avait des baisses concrètement de chiffres d'activité sur la chaîne YouTube. Ensuite, une des raisons aussi qui a été aussi impactante, c'est que j'avais perdu aussi un peu la flamme.
Quand tu faut bien comprendre que quand tu as une activité, comme moi, on va pas se mentir, je vais être honnête avec toi, la priorité, ça reste aussi l'argent, même si bien sûr ça me passionne. T'as beau être passionné, quand tu fais rentrer 30 euros par mois, à un moment donné, tu perds la flamme. N'importe quelle passion, à un moment donné, tu dois monétiser. C'est mon activité, c'est avant tout un business. Voilà, c'est une réalité. J'ai des clients où je vends de la visibilité. J'ai fait des coachings par le passé. Je vends des assurances, des billets. C'est un business, ça rapporte de l'argent. Forcément, quand tu ne gagnes pas d'argent, au bout de quasiment 2 ans, tu perds la flamme. Donc voilà. Donc j'avais perdu aussi un peu la flamme. Je ne suis jamais parti en burn-out, mais je me suis remis beaucoup en question. Voilà, comme on dit, déjà dans mon activité, je suis tout souvent très seul parce que voilà, j'ai pas envie de créer une équipe, etc. Et voilà, j'ai pas forcément envie d'aller dans un open space. Donc j'avais perdu un peu le goût. J'avais une sorte de rejet avec cette activité parce que j'avais pas vraiment de perspective d'ouverture des frontières. Bon, après, les choses ont changé le 21 novembre 2021, mais il n'y avait pas de perspective, il n'y avait pas d'évolution. J'avais l'impression d'être un hamster dans une cage. J'avais perdu la motivation. Pourtant, ce projet, ça m'a toujours tenu à cœur. Si tu suis toutes mes vidéos que j'ai construites, toutes mes réunions de backpackers que j'ai fait par le passé, tout ce que j'ai pu construire, tous les articles, tous les coachings, j'ai tout donné en fait. J'ai consacré ma vie. Mais voilà, quand tu consacres ta vie dans une activité mais que tu ne fais plus rentrer d'argent, et que aussi tu as une baisse d'activité sur ta chaîne YouTube, indirectement, tu perds la motivation. C'est humain derrière, c'est humain. Et ça, je ne suis pas le seul entrepreneur malheureusement qui a été impacté. Ça a été impacté par beaucoup de business en Australie. 30% des auberges jeunesse ont mis la clé sous la porte en Nouvelle-Zélande. Tu as énormément d'entreprises qui ont fermé en Australie, c'est une réalité. Tu as des entreprises aussi de billets d'avion qui ont fermé. Bref, ça a été vraiment une horreur pour moi. Mais voilà, les frontières maintenant sont ouvertes depuis le 15 décembre 2021. Et je suis tellement heureux de revenir sur cette chaîne. Je suis en train de préparer mon retour. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Des nouveaux contrats avec des partenaires. Des nouvelles offres sur mon blog. Voilà, pour vous accompagner, pour vous les backpackers. Il y a le guide e-book PVT Australie qui va arriver prochainement. Il y a un pack gratuit qui va sortir. Croyez-moi, il y a du pain sur la planche. Et ma motivation, elle reste intacte. Mais voilà, ça a été 2 ans de traversée du désert. Donc je m'excuse vraiment de cette absence et on se retrouve très 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 bientôt sur YouTube, dans la vraie vie potentiellement pour des réunions. Merci à vous les amis d'être fidèles et à très très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À bientôt.